Alors, toujours en BD, plus pour enfants, une autre édition encore, un grand classique de Jean des années 80. J'ai nommé la fameuse série Basile et Victoria de Yann et Edith. Alors Yann, c'est le fameux scénariste qui faisait aussi Les Innommables avec Conrad, celui qui a repris Tintin, donc on ne le présente plus, qui a fait Pin-Up avec Berthet et tout ça. Et dans les années 80, ils avaient fait une petite série qui a été récompensée par le prix du meilleur album à Angoulême dans ces années-là. Il y a eu 4 ou 5 volumes qui étaient parus. C'était l'histoire de Basile et Victoria, qui sont deux petits personnages à la Dickens dans l'Angleterre victorienne du fin du 19e siècle. Et il leur arrive plein d'histoires, plein de choses dans Londres. Ça va les entraîner après jusqu'au bout du monde et tout ça. Le dessin, c'est à la Yann. Hein. Voilà. Comme d'habitude. C'est plus pour enfants, parce que ça s'adresse à des enfants, et c'est une occasion d'en découvrir une série très sympa, totalement inconnue par le grand public, alors qu'elle mériterait vraiment de figurer, comme les 4 de Baker Street ou des choses comme ça, dans le panthéon des bonnes bandes dessinées d'ados pour enfants, avec des bons scénarios, des belles histoires, un Londres crépusculaire, Londres le fog et tout ça, Jacques l'Éventreur, c'est absolument superbe et c'est très très beau, très sympa, et ça s'adresse vraiment aux enfants. Et ça vaut vraiment le coup d'être découvert, hein. Bande dessinée intelligente.